Bonjour et bienvenue, je suis Lantien01, aujourd'hui nous avons enfin un nouvel épisode de The Crew 5, The Crew 2. J'allais dire The Crew 5 mais non, le 2. Du coup nous allons continuer notre live extrême, donc le 5, hein, comme vous savez, nous avons fait déjà les 3 premiers. Enfin les 4 premiers on va dire, parce qu'il y en a un qui est, mais on l'a au tout début, au lancement du jeu, mais on l'a pas dans la liste là. Donc nous allons faire celui-ci. Donc celui-ci, on va avoir quelques courses de voitures, voilà, un peu high-tech et tout ça. Enfin high-tech, ouais, dans l'industrie automobile, c'est les voitures les plus avancées technologiquement parlant. Du coup, nous allons faire ça. Et donc du coup, ce sera le dernier live stream que nous allons faire ensemble, bien sûr. Et il restera plus que les chefs, en fait. Voilà. Et une fois les chefs finis, on aura terminé le jeu. Voilà. Donc voilà. Oui, alors comme je vous ai dit, j'ai fait ça parce que il n'y avait pas beaucoup de vues dans le jeu et tout ça. Et franchement, voilà, je vais pas me priver de jouer. Voilà quoi. Donc du coup, j'ai avancé et puis je vous laisse les live extreme, quoi. New York J'adore cette musique, franchement. Oh. Ah, mais elle est rayée, ma voiture, devant, là. Qu'est-ce qu'il y a eu, là, pendant l'intro, là, lol. Allez, c'est parti. タフな環境にはタフなカメラを。ライブはこの刺激的なレースをお送りできることを嬉しく思います。また刺激的なだけでなく、弊社製のカメラのようにタフなレースでもあります。フィニッシュラインにたどり着けるのはトップレベルの猛者だけ。さあ、心ゆくまでレースをお楽しみください。 OK, c'est parti. Oh, elle a volé la Porsche. Vous avez vu? まだ周囲に立ってはいませんが、あえて言わせていただきましょう。皆様が今ご覧になっているのは次のチャンピオンです。 OK. Je fais n'importe quoi. Bon. On est encore au début, on va dire, on a encore la possibilité de le faire. Il y avait quoi là? Ok. Alors c'est vrai que... Bah en fait, je joue à Formule 1 2018 aussi, donc du coup la méthode de conduite n'est pas la même et je suis un peu perdu entre ces deux jeux, quoi. Bon, bien sûr, vous l'aurez pas en vidéo F2018, parce que bon, le problème c'est que F2018, seuls les gros youtubeurs peuvent le faire, en fait. Je vous explique pourquoi. Pas pour la vue, tout ça, non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, vu que c'est un truc officiel et tout ça, ben, Formule 1 machin, donc le vrai truc, hein, la FIA, peut vous bloquer les images. Et du coup, comme je n'ai pas de protecteur de ce côté-là, du coup, je pourrais me faire sup la vidéo, en fait, l'image, en fait, la vidéo, je pourrais la faire sup, en fait, parce que je serais pas protégé, en fait, tout simplement, parce qu'il y a le logo F1 et tout ça, et ce sont
des problèmes, c'est que c'est en fait, comme je dis, le gros souci est que comme j'ai pas assez de YouTube de viewers et tout ça, et machin et d'abonnés, hein, du coup je peux pas me permettre à avoir des sécurités que je devrais payer en fait pour pouvoir vous montrer ce genre de choses. Comme pour les vidéos copyright, voilà, ceux qui sont qui ont 1 million d'abonnés et tout ça, là, qui n'ont pas de problème, ils payent quelque chose. Ils payent quelque chose pour la protection et du coup ils peuvent utiliser les musiques copyright. Vous savez comment ça marche côté YouTube, hein. Surtout que maintenant YouTube a beaucoup changé et est devenu encore plus, plus violent pour les petits youtubeurs et il laisse tout libre service aux grands, donc du coup voilà quoi. Donc c'est pour ça que je peux pas me permettre à vous mettre F1 2018 même si j'aurais voulu quoi. C'est par rapport aux images, vu que ce sont des images officielles de chez de la FIA, et donc du coup la Formule 1 pourrait me faire chier. Et vous aurez... Enfin moi, ils vont pas me bloquer mon compte tout ça, non. Ils vont juste dire que ça c'est copyright et il sera pas disponible dans certains pays. Jusqu'à un moment, la suppression totale de ma vidéo pour tous les pays. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça que du coup, voilà quoi. Il y a certains des jeux qui sont qui ont les musiques copyright, bah arrivé un moment, bah vous aurez juste l'image et plus de son quoi. Si c'est pas déjà fait sur certains de mes vidéos quoi. Anciennes vidéos bien sûr. Donc voilà. Ah, vous savez là déjà je me sens déjà mieux à bord d'une Formule 1 parce que voilà la tenue route est la même. Enfin. Après on peut pas mélanger non plus un jeu de simulation de Formule 1 et un jeu arcade, mais voilà, la tenue route elle est bonne quoi. Bon bah puis les routes elles sont beaucoup plus larges aussi. Et bah non mais là c'est n'importe quoi là voilà. Le bordel s'est bloqué, vous avez vu où il s'est bloqué? Lol, il m'a fait spawn sur le machin là. Oh, c'est pas grave. J'arrive à peine le mec. Ok, c'est parti. Donc celui-ci de bateau je peux le faire en vue FPS hein, par rapport à l'autre, celui-ci je peux le faire parce qu'on voit très bien. L'autre, l'été précédent je pouvais pas le faire, malheureusement. Parce que la vue intérieure était vraiment toute pourrie. Elle était toute pourrie parce qu'en fait on voyait rien, les petits hublots qui servent de pare-brise avant, ils sont tellement petits que tu vois rien. Même dans la vraie vie je sais même pas si on voit quelque chose dedans quoi. Bon je pense que oui hein, quand même. Ok. Bon ça se passe plutôt bien, je crois que c'est le dernier truc, hein. Ouais 97%, on a fini quoi. Et voilà. C'est arrivé. こんな大興奮の後に誰が眠れるというのでしょうか。ライブエクストリームシリーズも残りあと1戦、シーズンフィナーレでお会いしましょう。 Et voilà. Oh, ça s'est plutôt bien passé, non? Ok, il y a eu quoi? Que des pièces pour les voitures, je crois. Ouais. Et voilà.
du coup, on a eu des points. C'est donc quoi les points? Ah, c'est ici. Point d'icône. On a eu un point ici, en véhicule. Ok, on va mettre ça. Et voilà. Et voilà. Du coup, ben, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Hein. Vidéo très courte, je sais, mais bon, on fait un live extrême et puis on arrête. Donc pour les prochains épisodes et les derniers qui sont prévus, ça sera les chefs. Et une fois ça fait, ben, on va débloquer le live extrême, un autre live extrême normalement, une fois qu'on aura battu tous les chefs, avec le gros final avec tous les chefs, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, de liker, si vous a plu, vous abonner à ma chaîne, ça fera très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes de The Crew et les derniers épisodes, bien sûr. Hein, on s'approche de la fin de The Crew aussi, hein, comme pour Far Cry 5 originel d'ailleurs. Donc du coup, voilà. Merci d'avoir regardé. Allez, bye tout le monde.